Je m'appelle Marie-Valentine, je travaille à l'Institut Jules Bordet depuis 2008. Là-bas, tout le monde m'appelle Mariva. Je suis pharmacien hospitalier et j'ai 3 enfants. La pharmacie, l'Institut Jules Bordet, est composée de différents secteurs qui sont tous très développés. C'est la spécificité de l'Institut Jules Bordet qui permet en fait à la pharmacie hospitalière de se développer à la fois autour des chimiothérapies à préparer, autour des études cliniques avec la délivrance de médicaments en phase 1, en phase 2, en phase 3, mais aussi de l'officine et du secteur matériel médical. Ce sont des secteurs qui sont tous très développés et c'est ça qui fait la spécificité de la pharmacie hospitalière ici à l'Institut Jules Bordet. Je suis arrivée à l'Institut Jules Bordet un peu par hasard et quand je suis arrivée, l'équipe était déjà bien en place, elle fonctionnait bien, il y avait déjà une bonne ambiance et tout s'est fait tout seul. Hein. Et ça fait maintenant 13 ans que j'y suis et ça me plaît toujours autant. Il n'y a pas vraiment de journée type. Hein. C'est une journée avec des urgences, avec un peu de routine. Ça change un peu tous les jours et c'est ça qui fait la beauté du métier. C'est un travail d'équipe très très important qui demande beaucoup de coordination, de collaboration entre nous pour qu'on puisse délivrer ce qu'il faut au bon moment aux patients. Il faut pouvoir garder le sens des priorités, pouvoir notamment répondre aux demandes urgentes du quartier opératoire, comme répondre à toutes les autres demandes moins urgentes des autres équipes, et c'est ça qui est compliqué et qui s'acquiert avec l'expérience. J'ai beaucoup de passion pour mon métier et le fait de savoir qu'on sert une bonne cause, qu'on s'occupe de patients qui ont un cancer, qu'on œuvre en tout cas pour qu'ils guérissent, moi m'anime tous les jours.